haut niveau. Et maintenant, nos caméras s'orientent vers le ballon porté par la meilleure gymnaste française de gymnastique rythmique et sportive, Eva Serrano, qui a fait d'énormes progrès et qui s'achemine vers ces Jeux Olympiques d'Atlanta avec, pourquoi pas, des ambitions bien légitimes, même si les Russes, les Biélorusses et les Bulgares sont encore d'un niveau exceptionnel. Voici l'entrée originale au ballon. Grand écart renversé. Séduisant que l'on n'a pas envie d'apporter de précision technique, mais sachez tout de même que en gymnastique rythmique sportive, eh bien, le ballon, la corde ou les massues doivent être le prolongement du geste corporel, c'est-à-dire que c'est au bout de la main que l'on lance bien évidemment cet engin, et à chaque figure, eh bien, c'est le prolongement de ce geste, un rapport entre l'exercice, la musique et puis le ballon. C'est une harmonie totale recherchée par la gymnaste, et tout cela dans une légèreté. C'est super. Et vous avez noté également que toutes ces gymnastes disposent d'une souplesse naturelle qui a été longtemps travaillée, bien sûr, dans les gymnases pendant des heures, mais encore faut-il qu'elle soit douée pour ce genre d'exercice. On n'est pas souple, on ne devient pas souple, on l'est peut-être à la naissance. À la note de Eva Serrano qui prend la tête du concours, bien évidemment 9783, c'était la première à passer, c'est une note de référence, ça risque d'aller beaucoup plus haut.